Si on parle en moyen, il y a des gens qui ont un élève. Les autres qui ont un élève, c'est directement le directeur général de la police là, Ariel, qui cause si nous allons mourir, parce que c'est eux-mêmes qui parlent de la sécurité dans le pays. Et nous faisons appel ça à tous les parents, à tous les universitaires, à tout le monde, je dis à eux concernés de ce qui a passé aujourd'hui. Si nous pas organiser nous pour un soulèvement garçon pas café, nous pas sortir dans sa lumière. Mais sans la matin, c'est juste pour dire, trop sans couler, trop pour mourir dans le pays, Ariel pas de place li. On jette du monde 16 ans, quand des gens bandits tuent. Donc je dis à que nous là, pour que nous lancer appel à tous les parents, pour nous même tout, pour que nous fassions même geste là, pour nous prendre la rue, pour nous préparer au soulèvement général à travers tout le pays, pour que nous débarrassions le pays des criminels,
qui gagne la tête Ariel Henry. Merci. Mouvement ça, combien de temps la prend? Bon, nous pas qu'à déterminer combien de temps mouvement les apprend. Tout simplement, nous dit parents, nous dit universitaires, nous dit élèves, nous dit syndicats, nous dit tout le monde dans le pays, faut que vous organisez, faut que vous planifiez pour que nous fassions un soulèvement général, pour que nous débarrassions le pays des équipes criminelles. Là, c'est pour nous demander, M. Ariel, à coucher des questions, à demander des comptes sur l'argent qui a gagoté pendant 7 ans, l'argent, le temps de nous. Là, nous connaissons jusqu'à présent un bon quartier, donc un bel air, donc un grand abîme, donc un matissant. L'école va jamais fonctionner là-dedans. Il y a un lycée, l'école nationale qui est déplacée, mais il y a un pile l'école qui est relative à l'école. Ce n'est pas l'école qui a moyen, qu'on a desservi la population malement, malgré tout le bagage. Élèves, ça a tout la guerre, il pas l'école. Ça fait nous demander au ministre, M. Maniga, prendre responsabilité. Parce que nous connaissons l'institution là-dedans, notre institution nord, qui est au dos et péri. Il y a des gens dans le monde qui travaillent en pile pour au moins pour l'éducation. Pour être capable de dire que continuer à mobiliser pour être capable de jouer une solution qu'on a demandé. Et nous demandons automatiquement de là, camper, faut que reculer le calendrier scolaire pour les élèves capables de jouer assez de temps pour préparer pour aller à l'examen. L'objectif là, c'est finalement de coucher Ariel, à coucher M. Manita sous l'argent de bosser. Nous allons demander pour autant de voir nous, parce que nous dans l'arrière longtemps, ça fait 6 semaines, depuis nous dans l'arrière, nous avons mobilisé, nous avons des conditions de travail. Élèves, on se conseille avec les professeurs, nous avons des parents là, il y a tout le monde là, professeurs qui sont engagés dans la société, qui pas d'accord avec les conditions de l'éducation. Si nous n'avons pas une éducation, pas bon l'autre société, ça fait nous. Nous faisons voir nous avoir élèves au passé, parce que nous avons des conditions d'exploitation, pour des conditions nous pas bon. Depuis 7 avril, nous avons l'arrière là, nous avons manifesté dans 4 pays là, ministre de l'Éducation nationale là, pas jamais dire rien, au lieu de chercher chez nous une solution à tout ça, c'est une question à faire. La bonne faire un compte séparé. Ça fait nous allons demander des questions, nous allons toucher l'État, M. Ariel Henry. Nous avons gardé toute l'argent ça. Nous avons gardé toute l'argent ça dans le nord. Pendant ce temps, nous avons gardé les conditions de travail. Et les pas gardé les conditions pour être capable de faire bonnes conditions à produire ça. Donc c'est fini pour les conditions de travail. N'a pas de la fin de l'arrière. Oui, bonnes conditions de travail parce que les professeurs qui travaillent qui gagnent plus l'année, qui travaillent qui gagnent l'aide qui ne va jamais toucher. Il y a tout pour que j'aime gagner l'aide. Et en plus tout, il y a un bon étudiant et finissant un gars et nous capable de dire. Et Fla qui vient pour faire stage. Donc jusqu'à présent, les conditions ne sont pas réunies comme ça doit pour faire stage. Et sans compter les élèves qui n'ont pas de bon cafétéria pour manger, qui n'ont pas de moyens pour être capable d'apprendre. Là, nous connaissons pas d'apprentissage sans bonnes conditions et d'apprentissage. Là, nous connaissons pas de cafétéria, pas de bibliothèque, même toilette, pas de bon potable pour les élèves. Est-ce que nous sommes capables de la situation pendant ce temps que le Fonds national de l'éducation a gaspillé le corps pour faire festival l'autre bord? Pendant ce temps, je dis l'argent. Quel programme national que tu souhaites pour bailler les deux côtés. Ça fait nous pas l'arrière, je tiens là, pour nous mobiliser, pour nous faire et pour nous poser M. Ariel avec M. Nesimani la question, pour nous connaître qui prévient, qui fait nous ne sommes pas capables de jouer une condition pour nous travailler, pour élever, jouer une bonne condition apprentissage. Parce que je dis, tant vaut la nation, tant vaut l'éducation. Si nous pas gagner une bonne éducation, nous avons une bonne société. Ça fait nous gagner tout. Et les jeunes, ça on est là, et les vieux, ils vont faire quoi avec les français? Donc, raison, c'est parce que nous avons un professeur dans la classe là,
et le professeur va toucher. C'est parce que le concept de l'application, il ne faut pas les respecter. Quand on est arrivé là, quand on est sorti, quand on est arrivé là, on est là, on ne peut pas nous écouter.